belle journée en Thaïlande après la galère d'hier où il y avait des rangers partout et on n'avait plus kiffé. Là on s'attaque à la plage du Railay où il y a plein de rochers, il y a plein de cliffs. Ça va être trop stylé, on a une eau turquoise et ça va faire kiffer une petite journée cliff. Aujourd'hui la mer elle est vraiment bien excitée. C'est sûr que ça va nous faire débloquer des cliffs parce qu'une fois à marée basse il n'y a pas assez de fond. Peut-être la chance ça va être de notre côté cette fois-ci. Hein. Une heure c'est 200 bahts, deux heures c'est 400 bahts et après chaque heure de plus c'est 100 bahts. Mais elle a coulé toute seule. Il est tout blanc. On part sur des petits canoës là parce que la plage elle est vraiment blindée de touristes. Du coup on va essayer de trouver des cliffs. Il y a potentiellement des trucs stylés mais il faut faire le tour. Et je pense qu'on va trouver des petits trucs cool. Là c'est marée haute, faut qu'on se trace un peu. J'espère qu'il y aura personne à nous dire non, non, non. Je sais pas ce qui se passe là. Oh, on passe vraiment à rien là. Oh non, on passe à gauche. On passe à gauche en Thaïlande les gars. Là ce qui se passe c'est qu'on passait en canoë et on a vu une énorme grotte qui ressortait de la falaise. Et là les gars ils vont aller voir et normalement il y a du fond et peut-être ça va sauter de là. Mais on sait pas si l'escalade ça va le faire. Pas traîner parce que la marée elle descend, donc, du coup il y a de moins en moins de fond. On peut sauter de la grotte qui est là, voilà, c'est out of en dessin animé. On pense qu'il y a peut-être 15-16. Bon, là on va essayer de passer. Le passage il a l'air un peu sketchy. Ok, en clair. T'es en grand écart avec le pied là et tu baisses ton centre de gravité. Voilà. Là, amène ta main gauche. Amène ta main gauche là. Je peux pas. Je peux pas avec. Ok. Bon, la grimpe elle a l'air compliquée. Faut vraiment que tu t'approches de la falaise, lui. Et tu mets ta main gauche le plus loin possible. Et ton pied gauche. Descends ta main gauche. Voilà, nickel. Bon, maintenant il reste juste la dernière étape. Et visiblement, il y a une corde qui est accrochée. Le seul truc qui est un peu flippant dans ces moments-là, c'est que on sait pas qui a accroché la corde, on sait pas depuis combien de temps elle est là, et du coup on sait pas s'il y a tir encore. Juste les mains par là. Voilà. Yes! Ça tient? Avec tout mon poids dessus, ça tient. Vas-y, tu peux t'en servir en vrai. Il est full cordé le sang là. Yes, les gars! Max, les grands. Yes! Ah! Vous êtes allé voir là-bas? Non. Y'a quoi là-bas? Bah, on entend des chauves-souris au fond là. Clairement, je pense qu'il y a ce qu'il faut. T'imagines si on avait les affaires de camping? Petite nuit dans la grotte. Et ouais, le départ il est sketchy ça. C'est clair. C'est à moitié du sable. Et le dernier appui. C'est des cristaux à moitié. Après, on peut frotter un peu. Hein. Ah ouais? Ah, ça, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant ça. Jérémy nous dit que ça a l'air d'être vraiment grand. Et en fait, comme il n'y a pas de fond, c'est pas très rassurant. Va dans l'eau, Mehdi. 3, 2, 1, c'est parti. Faut pas que les gars ils tapent parce que là, la mer elle commence à baisser. Et si elle prend cette fond, bah c'est chaud. C'est quand même pas, hein. Allez, Mehdi, t'es prêt? Ok. 3, 2, 1, let's go! Ah,
ça donne trop envie, ça donne trop envie de la voir. Il est allé bien loin par contre, hein, comparé à... Si jamais on le fait en running gainer, on va aller beaucoup moins loin. Mathieu, il vient de le faire en droit là, il a pas touché le fond, mais il nous a dit qu'il est arrivé un peu comme une merde quand même, parce que si t'arrives vraiment tout droit, je pense que tu vas te coller au fond. Du coup, ça fait un peu peur parce qu'on aimerait bien le faire en gainer avec Romain. Et ouais, c'est pas le même contrôle parce qu'on sent pas tout le long, enfin on voit pas tout le long de l'arrivée, mais en vrai, ça veut dire, c'est juste qu'il va quand même falloir essayer de bombarder un peu loin, je pense. En vrai, ça va être une changée. C'est toi, comment ? En vrai, ça va, mais il y a une petite pression quand même. Parce que le fait que ce soit pas full profond, genre, il y a cette information en plus dans la tête, et ça ramène un peu de pression. Mais en vrai, je suis serein sur mes capacités, du coup, ça devrait le faire. Il a touché le fond quand même, mais on voit le stable qui remonte là, la surface là. Mais c'est pas fait mal du tout, c'est carré. Waouh, la dinguerie. Tout le monde est prêt? Ok, 3, 2, 1, go! Avant de le lancer, je suis. Mais Romain, ça fait combien de temps que t'as pas fait de running gainer? Bah, ça fait un bon moment, mais franchement, ça fait trop du bien de lancer ça. Moi, j'ai pas envie de me faire flipper là, donc je vais pas essayer de le faire en death dive. Et l'histoire de fond, pas trop de fond et tout, ça me chauffe pas trop non plus, donc je vais redescendre. Après avoir kiffé cette vue de malade mental là, je vais redescendre avec le sac et comme ça oblige personne à remonter. Bon, le fond, il s'est trop bien passé. Bon, il y a les gars qui ont poussé un peu, mais ça va, il y avait juste ce qu'il fallait en fait. Bon, faites quand même gaffe avec les sauts comme ça et vérifiez toujours le fond. Nous, on a beaucoup d'expérience, du coup, on sait vraiment combien il faut. Il faut prendre le temps de faire les choses crescendo, c'est hyper important. Là, on va finir tranquillement la journée sur ce petit wall run un peu naturel. Et on va essayer de voir du coup où on peut aller. Oh oui. Ça va être chaud avec nous en France. Ouais. Let's go! Yeah, le plaisir! Woo! Yes!
coup c'est la fin de la session cliff. Les gars ils sont partis rendre les canoës. Et là on a trouvé un petit spot pour faire des accros, un petit muret sur la plage. En plus il y a des petits seins juste à côté. On va bien se faire kiffer. Ils sont tellement agiles. Oh là là. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est notre rêve en fait. Yo. Ça va? Oui, je suis un gros fan. Je suis sud-africain, mais j'essaie de parler un peu français. C'est trop bien. J'ai vu sur l'Instagram que vous sommes ici. Et après, je vous... C'est vous. Nice, Félix. Ah c'est trop bien, franchement trop bonne ambiance. Fin de session, fin de journée là, ça régale de fou. Ça part en baignade les gars. Il n'y aura pas de sunset mais il y aura une baignade dans le shot, clairement. Let's go. What life village. On est quoi, on est en février, je vais faire la même bonne. Si jamais vous voulez nous soutenir, on a un shop où on vend des vêtements sur internet. C'est grâce à ça qu'on peut vivre, qu'on peut faire d'autres vidéos, qu'on peut continuer les voyages. Donc voilà, on n'est pas payé pour l'instant pour ce qu'on fait, on n'a pas de sponsor. C'est notre seul moyen de faire de l'argent avec YouTube. Mais bon, avec les problèmes de démonétisation, on gagne pas énormément d'argent sur YouTube. Bon, y a aussi des posters qui sont disponibles sur le site. Félix, il fait des photos, il suit toute l'aventure avec son boîtier. C'est de la bonne qualité, l'impression elle est insane, du coup, allez voir ça. Le lien du site il est en description, c'est mon frère qui prépare les commandes, donc allez-y, il faut du job, il faut du boulot, parce c'est que là bon. Il fait pas grand chose. Ça part sur une fin de vidéo les gars, ils vont m'envoyer sur la lune. Allez, j'espère que vous avez tous en place pour la prochaine vidéo.